Coucou tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui vous permet de gagner des cartes cadeaux très simplement. Donc je vais vous montrer cette application, donc elle s'appelle Step In, c'est celle qui se trouve juste ici. Donc c'est une application qui est gratuite, vous pouvez l'avoir sur iPhone, sur Samsung, enfin vraiment pour tous les téléphones, je pense que vous pouvez la télécharger facilement. Donc en fait c'est une application qui vous permet donc de gagner des points, soit en entrant dans les magasins, ou alors tout simplement en consultant des catalogues. Donc c'est très très simple en fait, il faudra juste que vous créez un profil, tout en mettant votre code postal pour pouvoir avoir les zones géographiques au niveau des magasins qui sont près de chez vous et qui ont justement la possibilité de vous offrir des points. Donc voilà comment elle se présente sur le menu. Donc ici vous avez le magasin, donc tous les magasins participants et le nombre de points que vous gagnez en entrant dans le magasin. Donc simplement en entrant, il me semble qu'il faut absolument que vous ayez internet même dehors. Ici ce sont les produits favoris, donc ça concerne le catalogue quand vous mettez un cœur dessus. Pas très intéressant. Ici les parrainages, c'est très important parce que vous gagnez 75 points en parrainant et des filleuls également. Sachez que si vous ne passez pas par un parrainage, vous gagnez 0 points. Donc pensez à vous faire parrainer ou alors moi je vous laisserai de toute façon mon code parrainage sur la vidéo et également en barre d'infos. Comme ça vous gagnerez 75 points dès votre inscription. Donc n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, je le mettrai. Parce que c'est un code avec plusieurs lettres, un peu compliqué, mais il suffira de faire un copier-coller. Ici vous avez les codes promo, donc en fait dès que vous avez un code promo Step In, il faudra le rentrer ici et vous le validez, vous gagnerez des points. Moi la dernière fois j'en ai trouvé un, je l'avais trouvé sur Facebook, donc je vous le mettrai également en vidéo. Ici il marche toujours, vous avez 25 points en plus, donc c'est pas négligeable. Et ici votre profil, donc nom, prénom, adresse, code postal, ce qui permet de donc géocaliser votre lieu actuel pour vous donner donc la possibilité de savoir quel magasin est participant. Et ensuite, quand vous validez donc ou du moins vous commandez une carte cadeau, qu'on puisse vous l'envoyer. Donc au niveau des magasins, vous allez voir que vous allez avoir plusieurs enseignes et ici à chaque fois le nombre de points que vous pouvez gagner. Donc vous avez la possibilité de gagner des points en entrant et aussi en allant jusqu'au fond du magasin. Donc je trouve que c'est pas mal. Bon après il faut trouver le magasin à proximité. Donc là vous allez voir à chaque fois la distance qui vous sépare de tous ces magasins. Ensuite ici vous avez une rubrique catalogue. Elle se trouve juste ici. Et cette rubrique, elle vous permet de gagner 5 points tout en consultant des catalogues. Donc c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur un catalogue. Et ici, vous allez voir apparaître un petit trait qui vous permet de passer à la deuxième page. Donc il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à avoir 13 sur 13 pour avoir 5 points. Donc là, il me reste qu'une photo pour gagner les 5 points. Je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, hop. Et là, vous allez voir apparaître vos 5 points gagnés qui seront ajoutés à votre solde qui se trouve en bas, qui sera précisé en bas. Donc, il vous suffit de fermer et de retourner au catalogue et ainsi de suite. Donc vous avez vu, vous avez pas mal de catalogues pour gagner 5 points, c'est pas mal hein. Et sachez que il y a différents catalogues qui sont présentés tous les 24 heures ou même 48 heures, enfin bref toutes les semaines. Vraiment vous avez une dizaine à peu près de catalogues à consulter, donc c'est facile, vous gagnez 5 points très facilement. Ici vous avez la rubrique promo. Donc en fait c'est juste pour avoir des petits codes de réduction sur certaines enseignes. Donc voilà, si certains voudraient les utiliser. Moi pour l'instant tout ce que j'ai regardé c'était pas très utile me concernant. Vous avez également une rubrique sondage. Donc par contre celle-ci effectivement vous gagnez également des points en répondant au sondage. Donc au jour d'aujourd'hui il n'y en a pas. Il y en avait eu un la semaine dernière il me semble. Donc pareil, vous gagnez facilement des points en répondant au sondage. Ensuite, vous avez la dernière partie qui est les cadeaux.
Donc là, en fait, vous allez avoir les cartes cadeaux qui sont proposées. La semaine dernière, il y avait encore du Zara, du H&M. Enfin, il y avait du H&M à 5 euros, mais il y en avait un aussi à 10 ou 20 euros, je ne m'en rappelle plus. Il y avait du Zara, donc ça change beaucoup, donc c'est varié, c'est bien. En fait, vous allez avoir donc le prix, enfin le montant de la carte cadeau en haut, et ici le nombre de points qu'il faut cumuler pour pouvoir l'avoir. Donc vous avez du H&M, de la Fnac, Sephora, vous avez un iPad mini, Starbucks, les Cadeos, le Monoprix à 15 euros, eTunes, carte eTunes à 15 euros. Donc avec les points qui sont précisés juste en bas à chaque fois. Donc voilà, une application très simple à utiliser. Sincèrement, c'est pas compliqué. Et là, par exemple, avec la rubrique catalogue, vous gagnez facilement des points si vous n'avez pas des magasins à proximité. Et à force, franchement, quand vous n'avez rien à faire, un petit moment, je sais pas moi, dans un bus, avant de dormir et tout, bah vous consultez, vous gagnez facilement 5 points et ça monte, ça monte, ça monte. Et ensuite, vous pouvez choisir la carte cadeau que vous souhaitez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Je vous laisserai donc mon code parrainage. Et si ce genre de vidéo vous intéresse pour les applications, pour gagner des choses, pour avoir des bons de réduction ou autre, n'hésitez pas à me dire. Et je compte également vous faire le tag What is my phone. Comme ça, vous aurez une vue sur toutes les applications que j'ai moi sur mon téléphone. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.